Et bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 18 mars. J'ai reçu aujourd'hui une enveloppe et j'en ai reçu hier deux. Donc ça va, on va ouvrir trois enveloppes pour cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je dis ça sur ce ton. Donc du Batman, le monde de Batman, du Civil War, peut-être du Pokémon, peut-être autre chose. Vous connaissez mes priorités maintenant. Allez, c'est parti, on ouvre la première. Alors. Est-ce que c'est tout? Oui, il n'y a rien d'autre dedans. Mets ça de côté. Ah ben déjà du Batman. Un petit logo sympa. Hop. Logo Batman. Extraordinaire. Extraordinaire. Image numéro 3. Une version de la Batmobile. Alors, j'arrive pas trop à voir si c'est une image dessin animé ou pas. Un peu bizarre. Ça, je sais pas ce que c'est. Un appareil électronique de Batman. Oh, oui, ça, c'est bien ça. Comment il s'appelle l'acteur là? Bon, le dernier acteur, non, c'est pas le dernier. Enfin, vous voyez Christian Bale, voilà. Avec une image, mais c'est à moitié un dessin. Moitié une image, c'est un peu bizarre. Mais sympa. Oh, ça c'est une image à coller. Crocodine? Non, pas Crocodine. Crocodine, c'est dans Dragon Quest. Fly en français. Mais c'est Killer Croc. Ben voilà, qu'est-ce que je dis? Crocodine. Oh là là, je suis fatigué, excusez-moi. Hein. J'ai reçu deux paquets hier. J'ai pas le courage de faire la vidéo, j'étais trop fatigué. Ici on a une Catwoman, alors c'est bizarre, là, l'image est à l'envers. Alors, peut-être quand la couleur, je ferai peut-être attention, parce que si le dos nous présente comme ça, le haut ici, pourtant quand on la retourne, le visuel est peut-être vers le bas. Bon, une image dessin animé aussi. Lex Luthor avec ses faux cheveux là, du film. Lex Luthor encore. Une image Batman de la série. Des années 60 et une image qui représente Superman. Très bien pour un des posters, je pense. Parfait. Une nouvelle image de Batman. Extra. Allez, on ouvre la deuxième. Du Batman, du Civil War. Je vous ai montré du Pokémon dans la précédente vidéo, donc peut-être qu'il n'y aura pas de Pokémon ici, malheureusement. Bien protégé dans une feuille ici. Hop là. Alors du Civil War. Parfait. Ça, je vais pouvoir les coller dès ce soir. Vous avez déjà un peu tout dit sur les albums d'images que je collectionne, les avantages et c'est pourquoi pour l'instant je fais de mes priorités certains albums et pas d'autres. Celle-ci, il y a un effet relief sur le symbole ici et sur une autre partie de la carte. Enfin, je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte ici en regardant comme ça. Donc, c'est un petit effet relief sur la carte. Et il y en a donc trois autres ici qui viennent se coller. Assez sympa. Le visuel Captain America de toute façon. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah, ici, il y a un gros plan sur sa ceinture, pourquoi pas. Voilà. Ant-Man, dans Civil War, il est présent bien sûr. Ça, c'est l'agent du Shield, que je vois moi dans la série à ce moment, The Resident. Emily Van Camp, je crois, le nom de l'actrice. Ouais, ok, Romanoff. Une autre ceinture d'Iron Man encore, ouais, Iron Man cette fois. Ah, la vision, pas mal, cette image-là. Ça va être très sympa de la retirer. Et de la coller tout juste dans l'album, ça j'adore. Du War Machine. Ah, c'est pas une brillante War Machine, malheureusement. Tac. Peut-être qu'après avoir collé tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, je vous montrerai l'avancée de l'album de Civil War. Pas l'avancée de l'album Batman, parce que j'attends d'avoir plus d'images pour les coller. Mais Civil War, je les colle au fur et à mesure. Ça, c'est sympa aussi.
Et là, une image pas mal du tout, aussi du faucon. Falcon. Ils n'ont pas voulu de lui donner son nom français. Donc, il s'appelle le faucon. Ok. Je disais que j'étais fatigué en ce moment. C'est pour ça que je passe un peu plus vite. Parce qu'après, il faut encore que je mette à jour par rapport à ce que je vais recevoir. Suivant les échanges que j'ai connus. Donc ici, allez. Je pense qu'on a encore du Civil War. Alors, hop, une petite pochette carton à ouvrir ici. Le petit mot de la personne avec qui j'ai échangé. Alors, c'est du carton. D'accord, on va retirer comme ça. Voilà. Oh là, non, non, c'est pas du tout du... Pas du tout du Civil War. Pas du tout du Batman. Ici, on a du... Je vois du G.I. Joe dans la pochette et de l'Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget, il me manque très peu d'images. Je crois 12. Et là, j'ai dû en recevoir 3 ou 4. Et il y a du Cobra. Ça, c'est chouette, ça. Là, ça, un petit lot de vieilles images. G.I. Joe, une brillante, extra. G.I. Joe encore. Une image Cobra. Il en manque moins d'une vingtaine dans Cobra, je pense. Du Cobra encore. Et deux Inspector Gadget. Alors, j'ai pas de priorité de finir Inspector Gadget comme album. Mais il me manque 12 images. Donc, je me dis que peut-être je vais peut-être les trouver quand même. Donc là, on a eu du tout. Du Batman. Du Civil War. Donc, du Civil War. Du Batman. Et quelques images pour les vieilles albums. Donc ça, c'est parfait. Je colle ces images dans l'album Civil War. Et ensuite, je pourrais vous le montrer où est-ce que j'en suis maintenant dans cet album-là. Allez. Donc l'album Civil War, qui est pas mal complété, est loin d'être fini. Il va manquer des images pas mal au début. Je récupère tout ce qui est autocollant, j'aime bien. Je dis autocollant pour tout ce qui se colle, qui s'incruste dans une image, voilà. Est-ce que je vais arriver à attraper cette page? Ici, il manque beaucoup d'images. Ça représente le début du film. Petite brillante là-bas, sympa. Hop, j'ai sauté une page. Écoutez, hop. Voilà. Le film, vous l'avez vu, je pense. Voilà, l'arrivée de Black Panther. Très, très sympa. Une page avec beaucoup de brillantes ici. J'ai pu en récupérer qu'une seule, je crois que c'est une que j'ai ouverte dans un des paquets, du coup, que j'avais acheté. Tout le reste, c'est encore à récupérer, donc des brillantes, bah, ça sera toujours plus rare que les autres images à récupérer. Ici, deux autocollants que j'ai pu coller. Ah là, les parties commencent à être très très sympas, avec des autocollants partout, ici c'est des autocollants, là aussi. Là ici, il me le manque, celui-ci. Là, on a quatre images, du coup, qui sont en relief. Là, j'en ai une seule. Il en manque 3, je le sens. Ça brille pas, mais il y a un relief ici. Il y a un autocollant aussi. On le voit pas forcément. Parce que quand c'est bien mis, et les raccords sont bien faits. Et bon, la texture, c'est autocollant. Et aussi, à l'image, les couleurs sont un petit peu différentes. Voilà. Ça, c'est aussi très très sympa. Ici. C'est le début du milieu qui fait office, on va dire, de poster, si vous voulez que ce soit un poster, voilà. Mais ça n'est pas vraiment parce que vous devez le déplier et à telle heure le rouvrir. Donc si vous sentez avec un poster, vous allez forcément cacher quelque chose, c'est un petit peu dommage. Là, un visuel avec 4 autocollants, j'en ai collé 3. Et je prends le temps de bien les coller. Et il m'en manque un ici. Et de l'autre côté, c'est pareil. 1, 2, 3. Et ici, il m'en manque un. Donc si vraiment vous avez envie... c'est pour ça aussi que j'aime bien cet album, de coller des autocollants qui soient raccords, prendre le temps de le faire. Bah, cet album est fait pour vous parce qu'il permet vraiment de s'amuser de ce côté-là. Ici, c'est pareil. Un visuel sympa. La team Captain America, mais c'est pas ça. La team Iron Man ici. Et la team Captain America. Ici, avec d'autres images. Qui sont des visuels, des choses qu'on voit dans le film, mais pas tirées du film. Ces visuels là, ça fait plus
comics, mais avec le visage du coup des acteurs. Et ici pour l'autre page, on retrouve une scène de guerre. Voilà. C'est très sympa. J'aimerais bien savoir celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aimerais bien l'avoir en grand, en espèce de poster. C'est vraiment très bien. Ici au dos, là c'est pareil. Il y en a encore une à coller. Donc ici, on va retrouver l'image brillante que j'ai ouverte tout à l'heure, la ceinture, avec une brillante. Je pense que tout le reste est brillant, en fait. Tout le reste est brillant, avec les bras, les épaules, le casque de Captain America. Voilà, pour nous présenter les personnages. Une jolie brillante ici aussi. The Falcon. Ah, du coup, quand on lit en français, c'est écrit The Falcon, alors qu'ils disent pas dans le film Le Falcon. Ou The Falcon, encore moins. Bon, donc c'est un peu bizarre. Ant-Man. Avec une brillante ici qui est très jolie. J'arrive pas forcément à bien tourner les pages à chaque fois. Voilà. L'agent 13. À côté, œil de faucon. Hop. Visuel. Est-ce qu'il y a un autocollant? Oui, il y a un autocollant là. Voilà. Là, on ne voit presque pas. On le devine parce que les couleurs sont un petit peu différentes. Le doré du casque ici, là. Voilà. Là ici pour l'instant j'ai rien du tout, donc ça sera aussi de relief parce que la partie avec Captain America où j'ai qu'une seule image ici, il y a aussi cet effet là avec ce quadrillage ici, donc c'est aussi quelque chose de relief. Là ici j'ai pu compléter, il y a un autocollant là, à là, et à là, et à là, que j'avais pas vu. L'équipe d'Iron Man on nous présente ici, même si la panthère noire... elle n'est pas trop dans le délire d'être avec Iron Man, parce que lui, il poursuit le soldat d'hiver. Et Romanoff, elle va trahir l'équipe d'Iron Man. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Elle joue un peu un double jeu, mais ça, ce personnage-là, on a l'habitude. Une page entièrement sur Iron Man. Donc là, on voit, comme pour Captain America, on va nous présenter, avec des brillantes, les parties du corps du personnage. Très sympa. Là, ici, je ne sais pas ce que c'est. J'ai hâte de les avoir. La tête aussi, c'est pareil. Donc, si je peux en récupérer assez rapidement ces images-là, j'en ferai une priorité. Je crois que j'ai sauté une page. Voilà. Bon, la vision. Et la veuve noire. War Machine. Ça aussi. Très, très sympa. Black Panther. Et la fin de l'album, donc ça c'est pareil, des images spéciales qui me manquent, plus rares que les autres à récupérer. Donc là c'était pour le poster Civil War, maintenant je peux vous montrer ce qu'il en est pour le Pokémon. Alors hop, on va poser ça plus loin. Et voilà, donc après avoir fait déjà quelques échanges pour récupérer des images. Ici, si vous voulez vous amuser, vous avez chaque Pokémon que vous pouvez lister, indiquer que la carte vous l'avez, etc. Alors bon, même si pour... alors, super sticker prismatique. Bon, ça, c'est les brillantes. Ah bah, c'est indiqué ce que c'est. J'avais pas la 2. Mais c'est indiqué ici que la 2, c'est Sacha et Pikachu. D'accord, Reptacel, Tortank, Dardanian. Ah, ça peut être pratique. Ça peut être sympa pour choisir chez quelqu'un les images que je voudrais en priorité. Voilà, Magikarp, je vais vous lire, on flex. Mew, Pokéball, d'accord. Une brillante Pokéball. Mew encore. Donc, il y a deux Mew, 23 et 25. J'en ai... une des deux, je ne sais pas laquelle. Sacha Pierre Houdin, Sacha et Pikachu. Pikachu encore. Régis. Ouais, bon. Sachant qu'il y a des images spéciales qui sont pour le poster. J'ai des images. J'ai Agent Caillou, je crois. Ondine ou je ne sais plus, Régis, Profiane, etc. Et je crois qu'elles vont sur le poster, celles-ci. Elles ne sont pas toutes accolées dans l'album. Et là, les dernières, à la fin, Sacha. D'accord. À la fin, ouais, d'accord. On a une image Sacha, j'en ai que deux. Hop, je vais changer de main pour filmer parce que, bon, non, tant pis, c'est pas grave. Donc c'est un album Simmerlin, hein, pour
Pokémon. Pour Yugi aussi, c'est Merlin. C'est pas du Panini. Ici, la page sur laquelle on a récupéré il n'y a pas longtemps le Herbizarre. Donc, on a Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Il me manque Salamèche et Reptincelle, même si la Reptincelle ici en brillante, elle compte pas comme image numéro 5 qui représente Reptincelle. Et Dracaufeu qui nous manque là-haut. Carabaf. Les petits insectes ici. Rokul, Rokups, Hirou Carnage. Ratataratatak. Voilà, Rapace d'Hippique, Arbok, Raichu. J'aurais bien aimé avoir Raichu quelque part en bouillante, mais a priori, elles n'y sont pas. Ni Doran et ni Dorina. Mélophée, Mélodelph, les évolutions de Nidorino, Nidoking, etc. Ondoudou, Raphésia, les insectes, etc. Mimitos. Alors, dans une image, dans la précédente ouverture, je sors Mimitos. Les images étaient rangées dans l'ordre, au niveau des évolutions. Mais je vous dirai après, on va y arriver. Mimitos et son évolution. Quack, j'aime bien. Kalinos et Arcanin. Arcanin, si vous ne savez pas, c'était censé être le Pokémon légendaire de type feu de la première génération. Et puis finalement, ça a été changé. Ils ont préféré faire un oiseau, faire Sulfura, mais à la base, Arcanin. Il y a plein de vidéos qui font référence à ça. Arcanin était un Pokémon légendaire. Ta-da-da. Ramolos. Canartichaud, qui n'est pas une évolution de Dodio ni Dodrio. Cela, il me les manque, je ne les ai pas encore récupérés. Autarial, Amandine, etc. Les fantômes, les spectres, je veux dire, que j'aime bien. Ici, c'est pareil, pas récupéré beaucoup. Ici les Pokémon, sac de nœuds, le Vénard, Kangourex, qu'on récupère dans le jeu, dans le parc Safari comme d'autres. Mais que du coup, vers la fin du jeu, ils sont pas si forts que ça, on fera toujours jouer autre chose. Donc jouer avec Kangourex dans les jeux Pokémon, c'est pas trop faisable. Un sécateur, j'aime beaucoup, Lipoutou, Electek, la petite brillante de Magikarp. Donc là, je suis en train de compléter, mais il y avait vraiment peu d'images de coller au début. Si ça se trouve un jour en vide-grenier, quand il y aura de nouveau des vide-greniers, je vais trouver dans un vide-grenier cet album-là pratiquement complété ou complet. Et du coup, j'aurais fait tout ça pour rien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Porygon, Pyroli, j'aime bien. Enfin, j'aime bien les évolutions. Voltali, j'ai Aqualie. Et Evoli, voilà, donc ça c'est la première génération avec que 3. Il n'y a pas encore Mentali, etc. qui sont arrivés après. Les Mewtwo, Mewtwo Dracolos, Mini Draco. Et le Mew en S25 du coup. Ah mais c'est trois brillants, c'est Mew en fait. Parce que c'est le texte qu'on a là. Ne crois pas qu'il te suffit de collectionner les 150 créatures Pokémon pour devenir le meilleur maître du monde. Il existe un 151e Pokémon extra secret à trouver. Cette dernière créature mystérieuse s'appelle Mew. D'accord. Donc S23 et S24, on va les voir au début. S23 et S24... S23 Mew, S24 Pokéball et S25 Mew. D'accord, bon. Bah, du coup, S24, si je peux la récupérer, je sais que c'est Mew. Ici, bah, j'ai rien, je sais pas ce que c'est. Guide d'évolution, bon, bah, ça peut être. Je ne sais pas. 151, 152. Hop, on va aller voir ça. Sacha Pikachu, d'accord, Sacha Pikachu. Bah, c'est ce qu'on a là en fait. Peut-être ce qu'on a là, mais en visuel de carte. Ça doit être ça. Hein. Ah, voilà. Donc, la vidéo précédente, je sors du paquet Mimitos
Et Aeromite, et je dis que Aeromite, je ne sais pas de quel Pokémon il est l'évolution. Alors que juste avant, je viens de sortir un Mimitos. Maintenant, je ne me ferai plus avoir. Du coup, en l'écolant là, bah, j'ai bien vu que Mimitos, il évolue en Aeromite. Mais que ce soit dans les films, la série animée ou les jeux, c'est deux Pokémon qu'on ne voit pratiquement pas. Hein. Les évolutions. Alors c'est par type électrique, Pikachu, Raichu, Magnity, Magneton, Voltorb, Electrode. Ici on a combat, Kikli avec l'erreur de mettre Kikli et Tignon. Ah, il me manque Salamèche pour faire les trois, c'est dommage. Galopa, j'ai dit dans la vidéo, j'ai dit Epona en le montrant, alors que bien sûr c'est Pokémon, c'est Galopa. Ici on a Magmar qui est représenté, mais je pense que comme lui, du coup, lui non plus n'est pas une évolution de Pokémon. Et on le verra pas dans les parties ici consacrées aux évolutions. Je pense que ça doit être ça. Tout comme dans les Pokémon électriques, on n'y a pas Electek. Non, pas Electek. Electek, oui, Electek n'est pas une évolution. Du coup, il n'est pas là. Mais lui, c'est pas Electek, c'est. Ben, je sais plus. Là, j'ai un trou. Les spectres. Bon, les spectres au début du jeu. Première génération, bah, il n'y en a que 3, je me semble. Hein. Ceux qu'on voit là, Fantominus, Spectrum et Ectoplasma. Les plantes qui sont là. Pokémon Sol. Sabalette, Sablaireau. Pokémon Glace, il n'y en a que 2. Lipoutou et Articodin. Là, je me rends compte que. Il n'y a pas un autre Pokémon glace Crustabri, il n'est pas glace, Crustabri? Ah oui, Articodin, c'est l'eau, c'est un oiseau, c'est l'oiseau légendaire. Bah oui. Carnatichaud, hein, qui n'est pas une évolution de Duo et de Dodrio. Pokémon Roche. Pokémon Eau ici. Carapuce, Carabaf, Tortank, Pipicocouac, etc. Ah, j'arrive pas à tourner cette page. Il y a une page entre les deux là. Dans laquelle il y aura peut-être les Pokémon de Psy, je pense. Parce qu'on ne les a pas encore vus. Voilà. Poison. Ici, j'ai pas. Pour l'instant, j'en fais pas une priorité de récupérer Smogogo, Abo, Nosferati, tout ça. Et les Psy, Abracadabra, Alakazam, Soporifique, Hypnomade. Et à la fin, donc on a une image, une avec uniquement Sacha. On nous représente ici, on nous réindique à quelle page on trouve quel Pokémon. Voilà, une espèce de guide, un index qui est en plus. Comment faire ta collection Pokémon, comment faire pour compléter. Envoie-nous un courrier, etc., etc. Allez, je vous remontrerai cet album quand il sera plus que complété, quand il y aura beaucoup plus d'images dedans. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.